Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Youssef Dalal de la chaîne Je Communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir communication progressive du français avec 270 activités destinées uniquement pour les élèves adolescents ou adultes qui ont un niveau débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Communication progressive du français avec 270 activités réalisées par Claire Muckel de l'édition Clé International. Alors aujourd'hui, on va voir encore un acte de parole exprimer des intentions du projet. La situation que je vous propose, c'est à la banque. Et bien sûr, côté grammaire, on va voir le futur simple. Alors, tout de suite, passe 52. Alors, ici, c'est une situation de communication nouvelle. C'est à la banque. Ici, il y a deux personnages qui sont normalement dans une banque, Félix et l'employé. Alors, Félix est venu à la banque pour avoir quelques informations et l'employé va répondre gentiment à toutes ces questions. Bonjour madame, je pense ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Oui monsieur, dites-moi, vous avez des projets particuliers? Oui, un jour j'achèterai une maison ou un appartement. Quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Pas tout de suite, je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? 80 ou 100 euros maximum. D'accord, mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Alors, Félix est venu à la banque pour ouvrir un compte d'épargne. Alors, il a l'intention d'acheter une maison, un appartement. Il doit d'abord faire des économies, alors il a l'intention d'ouvrir un compte d'épargne. C'est pourquoi il a l'intention d'ouvrir un compte d'épargne, parce qu'il a des projets, comme acheter une maison ou un appartement. Alors, il va faire bien sûr des économies. Il va commencer par 100 euros maximum. Alors, l'employé accepte sa demande. Mais à condition s'il veut tout simplement changer le montant, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on va voir maintenant côté grammaire, vocabulaire et manière de dire. On va commencer par manière de dire. On dit, vous avez des projets, on dit, j'aimerais, je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaite, je pense, plus l'infinitif. Peut-être, probablement un jour. Alors j'aimerais, je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaite, je pense, peut-être, probablement un jour. Encore une fois, j'aimerais, je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaite, je pense, peut-être, probablement un jour. Plus j'aimerais, je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaite et je pense plus l'infinitif et les autres expressions comme peut-être, probablement, un jour, plus futur simple. Alors, on parle un peu du futur simple. Alors, vous connaissez tous les terminaisons de futur simple. C'est, par exemple, je parlerai, tu parleras, il parlera. Hein? Nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Même exemple pour aller, on dit j'irai. Être, je serai, hein? Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Comme l'exemple de pouvoir, je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Comme l'exemple de faire, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Le verbe voir, je verrai. Le verbe venir, je viendrai. J'achèterai. Félix, ici. Il a l'intention d'acheter un appartement ou une maison. Il dit, j'achèterai soit un appartement, soit une maison. Alors, vocabulaire, on a la banque, le compte courant,
Il y a le compte d'épargne. Le montant veut dire la somme d'argent, le chèque ou le chéquier. Alors, donne-moi s'il vous plaît le chéquier, le plein de chèques, la carte bancaire ou la carte bleue. En France, il y a la carte bleue. Payer en espèces ou en liquide. C'est la même chose. Un prélèvement automatique. C'est-à-dire une somme d'argent prélevée automatiquement chaque mois. Un virement. Un versement. Alimenter un compte. C'est ce qu'on appelle verser. Un virement, ça veut dire tirer. Faire des économies. Voilà. Par exemple, Félix va faire des économies à la banque. Alors, c'est pourquoi il va ouvrir un compte d'épargne. Alors, la banque, le compte courant, le compte d'épargne, le montant ou la somme, le chèque, le chéquier, la carte bancaire, payer en espèces, en liquide, un prélèvement automatique, un virement, alimenter un compte ou faire des économies. Alors, pour. C'est ça. On a déjà vu aujourd'hui dernière leçon de communication. Il s'agit de faire des économies, faire voilà, exprimer les intentions des projets. Alors ici, Félix est venu à la banque pour avoir des informations. Il a l'intention d'acheter, par exemple, une maison ou un appartement. Alors, il va faire des économies. Il a l'intention de faire des économies. Voilà. Il aimerait bien acheter une maison ou un appartement. Alors, j'aimerais bien que vous partagiez cette vidéo partout au monde. De cliquer sur abonner. C'est le côté abonnement, s'il vous plaît. Et aussi, mettez des likes. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveau. C'est avec vous, Monsieur Subdalel, de la chaîne Je Communique TV. Merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais bien que vous partagiez cette chaîne partout au monde. À la prochaine.